Alors, je suis chez moi, dans le quartier de Bellecombe, dans le 6e arrondissement. Et puis, je vis plutôt bien ce confinement avec ma conjointe. Et puis, c'est aussi le moment de se retrouver. Donc, tout va bien. Alors oui, des rues désertes, et par contre, quand même, je trouve toujours trop de gens, malgré le confinement. Alors, je suis gestionnaire production dans une compagnie d'assurance spécialisée dans la construction, et il ne me manque pas puisque je télétravaille avec des arrêts de chantier de plus en plus nombreux. Le travail est là. Alors qu'à la base, j'étais pas spécialement favorable à la mise en place du télétravail, et je préférais les interactions sociales directes. Avec Lucini, qui en ce moment nous fait découvrir les fables de La Fontaine, on passera un beau moment, je pense. Alors, de pas pouvoir voir mes amis, ma famille. Et puis mon jogging au parc de la Tête d'Or qui me manque. Oui, c'est la manière dont on a traité l'hôpital public depuis des dizaines d'années en grignotant inlassablement son budget. Et aujourd'hui, tout à coup, on découvre l'utilité des soignants et du service public. Alors, ce sont ces quelques milliers de marins du porte-avions Charles de Gaulle qui ont été contaminés depuis quelques semaines déjà et une armée bien silencieuse. Non, pas spécialement. Simplement plus d'activités sportives, mais sinon. Alors, et série et livre, une très bonne série que je conseille qui s'appelle Unorthodox sur Netflix. Et puis en bouquin, je viens de terminer Nuit d'épines de Christiane Taubira. Et puis prochaine victime, Le pavé de Piketty, Le Capital. Je retrouverai ma famille à la campagne et j'irai gratter dans mon jardin.